Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très 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 spéciale car comme vous pouvez le voir, à vous demander où êtes-vous, mais où êtes-vous? Vous êtes tout simplement devant ma tablette, et oui. Et là je suis obligé de filmer avec un appareil, malheureusement. Alors je vous explique les gens, j'ai vraiment tout essayé, hein. J'ai essayé de mettre des logiciels pour filmer mon écran de tablette sur ma tablette. J'ai pas réussi, j'ai pas trouvé où ça marchait pas. J'ai regardé plein de tutos, j'ai installé plein de trucs sur mon PC pour pouvoir jouer à Dragon Ball Z Dokkan Battle sur PC. Et donc après pouvoir le tourner avec mon logiciel de PC. J'ai pas réussi, ça a pas marché, il a pas voulu se lancer le jeu, enfin. Bref. Voilà, non, je me casse plus la tête, je me dis, voilà, vous, au début vous m'avez connu avec voilà, mes talents de filmage au niveau de, avec mon appareil, avec mon calibrage et tout. Donc je me suis dit, ça va pas trop vous déranger si voilà, je refilme comme ça. Et donc oui, pourquoi là on se retrouve sur tablette, sur Dragon Ball Z Dokkan Battle? Donc là c'est quoi? C'est un jeu Dragon Ball Z sur tablette, hein, et malheureusement donc qui n'est pas sur ordinateur. Ou tout simplement, hein, c'est un jeu où on a tous les héros donc, de Dragon Ball Z, hein, vous devez connaître, hein, c'est obligé, hein, Dragon Ball Z, vous connaissez. Et donc aujourd'hui on va faire des invocations. Comme dit, je sais pas si vous voyez en ce moment plein de vidéos sur YouTube de personnes qui font des invocations sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et ben là c'est un peu mon cas, car en ce moment vous avez vu, c'est le premier anniversaire donc du jeu. Voilà, c'est un événement super spécial, on reçoit plein de pierres, plein de cadeaux sur AD. J'ai 79 pierres, c'est incroyable, c'est énorme, j'ai jamais eu autant de pierres. Et ça, c'est grâce à leur anniversaire. Donc comme je vais essayer de bien tenir l'appareil, de bien le laisser calibrer. Voilà, et voilà, rien que là, on a plus de pierres et tout. Voilà, comme dit, je vais vous montrer mes personnages d'abord, je vais d'abord vous montrer mon équipe. Les personnages que j'ai, et après on va sans plus tarder commencer les invocations. Je pense que je vais faire une multi-invocation, et ça dépendra ce qu'on aura dans la multi. Si dans la multi on aura des bons trucs, eh ben peut-être qu'on ira faire d'autres petites invoques. Alors, du coup, oui, alors c'est parti. Voilà, je vais vous montrer mon équipe, les gens. Hein. Voilà, donc mon équipe, alors voilà mon équipe, bon vous voyez pas trop bien comme dit, il faut que ça aille à pareil, mais je fais le du mieux que je peux. Alors non, hop, on est en arrière, vas-y mets-toi, hop. Voilà, donc mon chef d'équipe, mon leader, c'est le Sangoku Super Saiyan God, hein, voilà, le Sangoku Super Saiyan God, en UR, hein, vous voyez. UR c'est on va dire la plus haute puissance dans le jeu, hein. D'abord il y a N, R, SR, SSR, donc super rare, super rare, et donc là UR ultra rare quoi. Et donc voilà, vous avez vu ses attaques et tout, PV, attaque, défense, et donc voilà il est en UR, il est au level max, voilà Sangoku Super Saiyan God. Là, il y a eu un petit bug d'écran, c'est magnifique, merci Dokkan Battle. Après, le second dans ma team. Alors attendez, ça se trouve, il faut appuyer là pour le mettre. Hop. Tac, vas-y, viens là. Apparaît sur l'écran. Bon, il ne veut pas apparaître. Écoutez, je sais pas pourquoi, il faudra je crois rester appuyé, mais là, ils ont pas envie. C'est pas grave, les gens, écoutez, c'est le fail, c'est magnifique. Donc du coup, je vais vous montrer ma team ici, voilà, donc voilà, le fameux Sangoku Super Saiyan God. Là, le Trunks, le Trunks du futur, hein, Mirai Trunks, comme vous voulez, donc UR aussi. Hein. Là, le seul membre de mon équipe qui est encore en SSR, hein, voilà, donc c'est un Sangoku, hein, qui est en train de faire le Kamehameha, là, on dirait. Là, lui que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, hein, le Sangoku Super Saiyan, là, que j'ai pas eu il y a très longtemps, hein, j'ai eu il y a quelques jours. Le Majin Vegeta, voilà, en UR, hein, le magnifique Majin Vegeta. Hein. Et le Sangoku Super Saiyan 3 en UR, que j'ai eu il y a peut-être deux jours, je l'ai eu, et franchement, c'était incroyable, c'était dingue. Franchement, j'ai totalement kiffé, voilà, regardez.
Il est magnifique, hein. Voilà, avec ses PV, son attaque et sa défense. Voilà. Et donc, comme dit, en UR. Bon, et non, c'est bon. On a assez tardé sur les persos. On va direct aller voir les invocations. Hein. Et du coup, c'est parti. Et excuse-moi, c'est vraiment en mode plouc là, cette vidéo. Mais comme dit, hein, j'ai vraiment tout essayé pour pouvoir faire une vidéo où c'est bien calibré et tout. Enfin voilà, on voit vraiment que l'écran. Mais franchement, j'ai trop galéré. Donc, regardez-moi ça. Alors, c'est quoi? Cela, cet événement, j'ai pas encore vu. Une multi-invocation pour 30 pierres. Ah ouais! Ah ben les gens, on va faire ça. Oui, mais il y en a plusieurs. Oh là 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 là, il y en a plusieurs. Alors, attendez. Ce qui va nous intéresser dans l'histoire, c'est elle et lui. C'est eux deux là qui vont nous intéresser. Les multi-invocations à 30 pierres là, c'est très très intéressant. On va faire ces deux multi-invocations, les gens. Comme d'habitude, avec cet appareil, je vais devoir relancer. Donc là, je relance et on va se faire ces deux multi-invocations. Allez, à tout de suite. Et donc, les gens, on se retrouve. Donc, on va faire ces deux multi-invocations. Tout d'abord, on va faire celle-là. Et donc, avant toute chose, on va voir quel personnage on peut avoir. Donc on peut avoir Gogeta. Alors je sais que Gogeta c'est un personnage qui a été très très attendu dans la version française. Donc écoutez, si on arrive à l'avoir, ce serait incroyable. Hein. Donc Gogeta SSR. Sangohan Ultime. Hein. Voilà, on peut aussi l'avoir. SSR serait pas mal hein, aussi. Hein. PQN. Voilà, excusez-moi si je prononce mal, mais bon, je connais pas trop lui. Donc j'aimerais pas trop la voir vu que je le connais pas trop. Ah c'est parfait hein, c'est parfait, il serait pas mal de la voir, hein, serait vraiment pas mal de la voir. Bou petit, alors lui aussi, il a l'air vraiment stylé, Bou petit. En nécessaire bien sûr, elle a le Sangoa Super Saiyan Divin. J'aimerais pas trop la voir, même si là vous avez vu c'est une image différente, c'est voilà, c'est une toute autre carte que elle que j'ai déjà. Mais voilà, comme dit, je l'ai déjà, donc ça ne servira à rien de l'avoir à nouveau. Ah, le Golden Freezer, lui, je kifferais bien l'avoir, parce qu'il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé, je pense qu'il est très puissant au niveau des stats. Ouais, mais en fait, non, il est très faible, en fait, au hein, niveau des stats, hein, j'ai l'impression. Hein. Le Sangohan, enfin, le Sangoku Super Saiyan 3 que j'ai déjà, donc qui ne sert plus à rien maintenant de l'avoir. Enfin, voilà, ça sert à rien, je l'ai. Le Vegeta Super Saiyan 3 qui a jamais existé mais qui pourtant voilà il est en carte hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Encore une fois un Sangohan Ultime mais dans une autre forme, ouais. Encore une fois un Bou petit, ouais ok. Encore une fois un 7 parfois, pourtant on peut avoir beaucoup de persos et c'est tout. Ok bah écoutez les amis, c'est parti pour cette multi-invocation spéciale donc pour l'anniversaire de Kanbattle Battle. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et donc c'est parti, hop. Mais vu, c'est vraiment bien calibré, mais c'est chaud. Allez, allez, c'est parti, j'espère qu'on va avoir des bons persos, les gens, hein. J'espère qu'on va avoir des beaux persos, vu que vous avez vu pendant quelques secondes. Ok, il y a deux fusées, donc d'habitude, c'est moyen, là. Quand il y a cinq fusées, ça, c'est très bien, deux fusées, c'est moyen, donc là, hop, vous avez vu les gens. On glisse, oh un arc-en-ciel, oh là là, attention, il se transforme, s'il se transforme, c'est-à-dire c'est très bien, bon, en même temps on est en multi-invocation, donc, attention, Super Saiyan 2, et le petit 3, et non, même pas, alors attention, c'est parti, non mais je rêve, c'est une blague, les gens, on commence cette multi-invocation avec Bou petit SSR. C'est incroyable, waouh. En plus, il est magnifique, le Bou petit SSR, là. Il est magnifique, symbole de la mort. Ah là 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 là. Avec ses stats, en même temps, il n'est pas encore niveau max. Waouh. Alors, les gens, je suis choqué. Mais alors, je m'attendais pas du tout. Commencer avec une SSR, même si une multi-invocation, des fois... On peut avoir aucune SSR, hein, c'est très rare. Hein. Du coup, on va continuer. Alors là, franchement, choqué. Et voilà, et on enchaîne avec un autre bout. Hein. Mais cette fois-ci, SR, donc super rare. Un autre bout, voilà. Au-delà de l'entendement, ok. Ensuite, on enchaîne avec un
Sangwan de GT, Sangwan Super Saiyan GT. En tout cas, c'est bien. Pour l'instant, un SSR, deux SR. Écoutez, c'est très bien, on n'a aucun rare. Ensuite, nous avons Raditz. Ah, c'est une nouvelle carte, ça, je la connaissais pas. Je la connaissais pas cette carte. Ensuite, qui avons-nous? Oh! Ah oui! Ah oui, pas mal. C'est qui? Ah oui, c'est Kamisinin. Ah oui, ok, puissance max. Ah oui! En tout cas, plan, c'est bien, on a que des SR là. Très belles en plus, elles sont très belles ces cartes. Et voilà, bon, on l'attendait. Ah non, encore une SR, c'est même pas une rare! Oh putain, les gens, on a de la chance! Oh là là, et encore une SR! Docteur Gero! Et les gens, on n'a eu aucune rare pour l'instant. Donc c'est très bien, on n'a que des SR. Et le Freezer en SR, ben oui, le Freezer en SR. Alors là, les gens, on a vraiment une très bonne multi-invoque là. Oh là là, ah bon, voilà. Il fallait que la rare tombe. Et ben voilà, elle est tombée. Avec Shaozu, elle est tombée la rare, voilà. Rare. C'est nul. Et là, c'est le Sangoten avec voilà, le Trunks sans fond derrière. Bah écoutez, les gens, voilà, c'est la fin de cette multi-incoaster. Regardez-moi ça. Hop, on tourne. Elle est sublime, cette multi-invocation. Elle est sublime. Regardez-moi ça. Avec le bout SSR, le bout SR, 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 SR. SR, 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 rare SR. En tout cas, on n'a eu qu'une rare et si on fait que des SR ou une SSR. Et donc, ça, c'est très très bien. Ça, c'est vraiment très très bien. Bon, là, je sais très bien que je n'ai plus de place. Hein. Il va falloir que je vende des persos ou que j'en entraîne. Donc, je vais faire ça et on se retrouve tout de suite pour cette multi-invoque. Allez, à tout de suite. Et donc, re les gens, c'est bon, j'ai pas de la place. Normalement, on va pouvoir accueillir les 10 nouveaux persos là de cette invocation. Donc, hein, on va une fois de plus voir qui on peut avoir. D'abord, on peut avoir Super Janemba, d'accord. Ça va, il a l'air sympa, mais bon, pas si fort que ça au niveau des stats, surtout au niveau des PV. Hein, vous avez vu, hein, il a 5825 en PV. Bon, on l'a pas bien vu, mais voilà. Hein. Le Gotenks Super Saiyan, pourquoi pas, oui. Oh le Broly, bah alors lui si j'arrive à l'avoir. Broly Super Saiyan légendaire si j'arrive à l'avoir. Mais mon dieu. Sangoku Super Saiyan 3, pas vraiment. Parce que celui-là j'ai eu dans la version Jap, hein, je l'ai eu celui-là. Et sinon j'en ai déjà un dans la team donc ça me servait à rien d'en avoir un deuxième. Comme d'hab, le Vegeta Super Saiyan 3 sans plus, mais bon pourquoi pas. Le Bardock Super Saiyan, pourquoi pas. Fusion C13 m'intéresse vraiment pas. Hein. Bojack Puissance Max non plus, vu comme dit, j'ai pas vraiment vu les films et tout, donc je connais pas trop. Le Gotenks, bah alors à ce moment-là, vous préférez avoir le Gotenks Super Saiyan. Et c'est déjà tout. Ok, donc c'est parti les gens. Deuxième multi-invocation et donc sûrement dernière de cette vidéo. Et voilà, c'est parti les gens. Va-t-on avoir la même chance que dans l'autre, ça veut dire avoir un SSR, juste un rare et sinon que des SR. Avant c'était vraiment dingue, on avait vraiment eu de la chance. Hein. Donc là j'espère qu'on va vraiment avoir de la chance cette fois-ci aussi. Alors, deux fusées, enfin deux vaisseaux une fois de plus. Ah, deux. Quoi? Il se transforme même pas? Oh là là, j'ai peur les gens. Il s'est même pas transformé alors qu'on fait une multi-invocation. Ça craint les gens. Et voilà, on commence. Allez hop, avec un air. Thomas, allez hop, un air. Ok, du Trunks enfant là. Trunks petit Super Saiyan, d'accord. SR. Oh là, et encore le Trunks SR. Oh là 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 là. Alors là, je la sens pas du tout cette multi-invocation, les gens, par rapport à l'autre. Là, on a du Bojack, SSR, ok. Voilà, là de nouveau le Sangwan du Sangwan GT Super Saiyan. Sangwan Super Saiyan du GT. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? On l'a eu en triple! On l'a eu en triple celle-là, mais c'est d'arnaque! Rendez les sous!
Oh purée, le Shaozu, eh oui, les gens, je l'ai vu, il s'est pas transformé, Goku, il s'est pas transformé. Et là, c'est du C17. C18, putain, honte à moi. Putain, des fois, je les confonds, mais là. Oh là là. Bon, c'est du SR, mais voilà, quoi. Oh là là, le Krilin. Et le Krilin qui tombe, mais oui, allez. Oh là, en même temps, il s'est pas transformé, les gens. Regardez-moi ça. L'invocation du bide. Trois fois le Trunks Super Saiyan. Du Krilin. Du Sangguan qu'on a déjà eu. Oh là là. Alors là, franchement, l'invocation du bide. Franchement, deg de cette invocation. Mais bon, c'est pas grave, les gens, on a déjà eu une énorme chance, les gens. On a eu une énorme chance pour la première multi-invocation, les gens. Le fait d'avoir direct dès le début un SSR, après d'enchaîner les SR, franchement, c'est une chance de fou. En tout cas, les gens, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et donc à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Hein. Et si c'est le cas, bah, je vous en referai bien sûr. On va juste vous montrer bien sûr les persos que j'ai eus. Hein. Donc voilà, donc comme c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, j'ai déjà dit et je le redis. À commenter et donc à dire si vous en voulez plus ou à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et ce qui me motive à en faire encore plus, hein, voilà, donc la grande trouvaille de cette vidéo, c'est surtout ce goût hein, SSR. Voilà, qui rend magnifique. Moi sinon les gens, je vous dis à la prochaine. Ciao!